Ici, dans le sud-ouest et dans les Landes ou au Pays Basque, on a des traditions. Et on aime bien nos traditions. On aime bien manger des vrais produits. Du vrai canard. Mais si ça continue, bientôt, il faudra parler au canard en polonais et manger du jambon sous plastique. Et puis, quelques temps plus tard, on nous dira que le jambon, c'est pas bon et que la seule chose comestible, grâce aux scientifiques, c'est le plastique. Mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui mangeront le plastique et laisseront le jambon juste parce qu'ils l'auront entendu à la télévision. Et puis, il y a les contre-tout. Il y a des gens qui sont contre-tout. Daniel m'a dit l'autre jour, c'est les anti-tout. Alors moi, maintenant, je les appelle les sirops. Les sirops anti-tout. Au village, l'autre jour, il y en a un qui est arrivé. Un anti-tout. Il habite au Bourg, comme on dit ici. On ne sait pas d'où il vient. Au bout de 2 jours, il était fâché avec tout le quartier. L'anti-tout. D'abord, il ne supportait pas les cloches de l'église. Alors, il a fait un procès et les cloches se sont tues. Après, il ne supportait pas le chant du coq. Alors le coq, on le tue. Après, il ne supportait pas non plus les petits oiseaux. Surtout ceux de nos traditions, vous savez. Les petits oiseaux. Le gars, il habite au Bourg, comme on dit ici. L'autre jour, il est allé chez des amis, au petit matin, sans rien dire. Avec les caméras de télévision, s'il vous plaît. Et mon copain, au petit matin, il est sorti en petite tenue, une pelle à la main. Et il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Ça, c'est pas beau, ça. Je vous dis, on n'est plus chez nous. Le gars du Bourg, par contre, lui, il se croit partout chez lui. Il ne connaît rien aux traditions. Mais il s'imagine peut-être un avenir en politique. Mais c'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Ne mélangeons pas tout. Mais le gars du Bourg, si on regarde bien en amont, au lieu de lui estampiller un macaron, il mériterait qu'une chose, un bon coup de pied dans le fillon. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on nous foute la paix et continue à vivre simplement avec nos traditions. Et depuis, au Bourg, le gars, il vit tout seul, comme un bourrin. Ici, on l'appelle le bourrin du Bourg.
Et nous, à lui et tous ses copains, on leur dit juste: ne touchez pas nos traditions, ne touchez pas à nos passions, ne touchez pas nos traditions, à nos racines, notre bastion, tous ces gens qui décident sans savoir, bien assis derrière leur bureau noir, déconnectés des choses simples de la vie. Ils sont tous chefs et pourtant ils n'ont rien compris. Ne touchez pas nos traditions, ne touchez pas à nos passions, ne touchez pas nos traditions, à nos racines, notre bastion. Regardez bien ce que nous ont transmis tous nos anciens en nous donnant l'envie de vivre tous ensemble autour d'un feu de bois, partageant simplement l'amour et la joie. Ne touchez pas nos traditions, ne touchez pas à nos passions, ne touchez pas nos traditions, à nos racines, notre bastion. Landais, Bretons, Basques, Alsaciens ou Corses, ensemble unis autour de la même force, notre culture, toutes nos fondations se vivent toutes au rythme des quatre saisons. Ne touchez pas nos traditions, ne touchez pas à nos passions, ne touchez pas nos traditions, à nos racines, notre bastion. On prenait le temps de vivre, on prenait le temps de rire. C'était ça, la liberté. On lègue encore, avec ardeur, à nos enfants les vraies valeurs. C'est ça, la liberté. Ne toquise pas nos traditions, ne toquise pas notre passion, ne toquise pas nos traditions, nos tarenites, nos bastions. Ne toquise pas nos traditions, ne toquise pas nos bastions, ne toquise pas nos traditions, nos tarenites, nos bastions. Ne toquise pas nos traditions.